problème, c'est l'identification à tout ce qu'on n'est pas. L'être humain, étant dans l'ignorance, ne se connaissant pas lui-même, s'identifie, donc se prend pour tout ce qu'il n'est pas. Et dans cette ignorance, et de se prendre pour tout ce qu'il n'est pas, naît toute sa souffrance, naissent tous les problèmes. Donc, il faut qu'il désapprenne à se prendre pour tout ce qu'il n'est pas. Et qu'est-ce qui va rester? Lui. Lui, ce qu'il est. Parce qu'il est incapable de regarder directement qui il est. Et tout le chemin est un chemin de dévoilement, c'est-à-dire qu'on enlève un voile après l'autre de tout ce qu'on n'est pas. Tout ce qui recouvre qui on est vraiment. L'homme ordinaire dit c'est ça. Je suis mes pensées, je suis mes émotions. Je suis tout et n'importe quoi. Je suis ma voiture, je suis ma maison, je suis mes habits. Je suis ma coupe de cheveux, je suis tout ça, ça c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas et tout ce qui va passer. Il se prend pour tout ça parce qu'il s'accroche à tout ça. Celui qui est en contact avec ce qu'il est, s'accroche à rien de tout ça, parce qu'il est ce qui ne passe pas. Tout ce pourquoi les personnes se prennent, tout ce à quoi on s'attache habituellement, appartient à un moment ou l'autre à un passé révolu. Fini. Ça disparaît. Illusoire. Et si on continue à rester accroché à tout ce qui est passé comme ça, on continuera à souffrir du manque de tout ça. C'est-à-dire que la vie sera l'angoisse de tout ce qu'on possède et de ce qu'on ne possède pas. Et après la vie, à la mort, ça continuera. Parce qu'on aura tout perdu et on voudra quand même encore l'avoir. Et là, on ne pourra vraiment plus l'avoir. Donc la souffrance sera réelle. Et on aura eu raison d'avoir peur de tout perdre. Parce qu'on aura tout perdu. Et celui qui s'accroche, qui s'attache, qui s'accroche à comprendre l'essentiel, va entrer en contact avec qui il est et ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est pas du passé, c'est pas du futur, c'est pas du présent, c'est tout simplement tout le temps.